Aujourd'hui les gars, je vous présente une team pour les contre-rolls ou pour les débutants, une team que vous allez pouvoir faire avec les personnages uniquement du portail débutant de Dokkan Battle. Les amis, on est sur la version Jap parce que sur ma gloge j'ai pas de drop, j'ai pas forcément tous les persos débutants, donc c'est un peu galère. Alors on est sur la Jap, mais ça les gars c'est un détail, ne faites pas attention. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Et si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les 60 commentaires. Donc la team les gars, vous pourrez la faire en invoquant sur le portail du Goku GT et du duo DBZ Boo. Donc honnêtement, si vous avez un peu de chance, un minimum, hein, vous pourrez avoir les gars les deux personnages ainsi que les autres, hein. Je parle bien sûr du Gamma 1, du Gamma 2, le Gotenks Piccolo. Et encore les gars, vous avez d'autres options, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le Gotenks Piccolo les gars, vous avez plein d'options. Et je vais vous les montrer dans cette vidéo. Après on partira pour une petite red zone les amis, pour ceux qui veulent, voilà un peu que je teste la team pour voir ce qu'elle vaut. Alors au niveau des options, c'est un compte les gars récent, donc honnêtement il n'y a pas forcément plein de personnages. Pour les options, vous pouvez enlever le Gotenks et le Piccolo, et vous pouvez mettre par exemple, si vous dropez des hors détecteurs comme Piccolo puissance, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre Godku les gars, ça passe. Vous pouvez mettre C17, point les gars, point Dokkan hors détecteur. Au niveau des LR les gars, vous pouvez mettre les duos des 7 ans, c'est très belle option. Vous pouvez aussi mettre le Goku gencive, pareil pour le Vegeta Trunks les amis. Tout ce qui est force jointe, vous pouvez mettre, et tout ce qui est héros des films, voilà, vous pouvez mettre les gars. Donc en soi, on a un gros leader ici, très important, très incroyable. Pour la vidéo les amis, je vais jouer uniquement des personnages du portail des 8 ans de Dokkan Battle. Donc si vous n'avez pas de drop, et si bah, vous n'avez pas de chance les gars, c'est le moment de reroll, voilà. Franchement, vous allez vous faire une très bonne team. Bon, j'ai assez parlé, je pense les gars, on va passer au test de la team. Ok les gars, alors on est parti pour le test de la team. Alors, au niveau des rotations, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va prendre au niveau des rotations le duo bah, débutant, on va le mettre dans la même rotation. La deuxième rotation, ce sera le gamma 1 et le gamma 2. Voilà, ce sera la deuxième petite rotation. Et là, en troisième position, les gars, vous mettez tous les flotteurs. Voilà, donc c'est voilà, c'est assez... Oh, je me suis trompé de team les gars, attendez. Ah, ok, alors on est de retour. Alors les gars, j'avais mis le duo SCJ God, mais non, c'était Gamma 2 que je devais mettre, enfin Gamma 1 du moins. Donc les gars, on va commencer ici avec bah, cette rotation. Hein. C'est au début, si vous n'avez pas vos rotations les gars, vous allez devoir les faire. Donc honnêtement, voilà, c'est le tout début. Alors au niveau des valeurs défensives les gars, on est sur du 540 000 pour le duo SCJ, du 270 000 pour le Tai Goku Vegeta et du Gotenks, bah on est sur du 80 000. Mais lui, il gagne de la def après l'aspect, les gars. Donc en soi, on pourra pas voir l'aspect, enfin la def directement, après l'aspect. Donc honnêtement, ici, on va stacker le duo GT tranquillement, les gars. On part en soi avec le Gotenks, on va voir un peu ce que ça donne. Les gars, c'est la première fois que je le teste. Hein. Là, les dégâts, c'est pas trop ça. Mais ne vous en faites pas, les gars. Normalement, le duo SCJ, vous le mettez en troisième position, les gars. Il tanque qu'après l'aspect les gars, il tanque qu'après l'aspect, donc c'est un peu le... Ce qui est chiant quoi, tu peux pas trop le mettre en première position. Là les gars, pour les premières positions, vous allez devoir mettre soit le duo Sagat Blue, soit le duo GT, c'est comme vous souhaitez. J'ai une préférence les gars pour le duo DBZ quoi, mais c'est comme vous voulez. Et pour la deuxième rotation, ce sera Gamma 1 qu'on va mettre en avant. Alors au niveau des valeurs d'attaque, les gars c'est le début, hein. Ça va augmenter crescendo. Oh là là, j'ai hâte les gars. Alors ça donne quoi la suite? Ok. Le hurlement de Gotenks. Oh, stylé à la fin les gars, j'aime bien. Bon. Honnêtement, je sais vraiment pas ce que ça donne les gars défensivement le Gotenks. Donc en soi, on va découvrir ça aujourd'hui. Les sphères de qui? Les gars, les sphères de qui? Les sphères de qui les gars? Aïe. En soi les gars, on est mal. On va essayer de faire la raison sans item quand même. Mais je vous mens pas les gars, on est vraiment mal. Donc là on va faire. Voilà, on va faire ça les gars. On va faire ça. Comme ça là le Goku SCJ 3 il va rejoindre le duo GT dans l'autre rotation. J'ai merdé les gars. Je vais vous le dire, j'ai merdé là sur le gamma 2. Partons avec le gamma 2 les gars le plus rapidement possible parce que ce personnage là, il va stacker l'attaque et la def. Ils ont des spé les gars, donc en soi. Voilà, stacker là un maximum. Alors niveau dégâts, on prend cher les gars, mais ne vous en faites pas, on va essayer de faire la résidence sans item. On est mal, hein. On est vraiment très mal. Déjà regardez les gars, on a un contre-type quand même. En soi, on n'a pas trop de chance au niveau des rotations, des sphères de ki, tout ça.
En soi, c'est pas trop génial, quoi. Là, le duo SSJ, c'est l'ami leader, hein, 100%, les gars, je rappelle. Je pense que c'est l'ami leader. Hein. Ouais, il est 100%. Rappelle, au niveau des doublons, Gamma 2, je l'ai 3 doublons. Ah oui, j'ai bien drop, les gars. Voilà, ça part en attaque supplémentaire. Donc en soi, c'est pas mal. Le duo DBZ, j'ai les 0 doublons. Le duo GT, j'ai les 3 doublons. En soi, lui, les gars, si vous l'avez des doublons, c'est beaucoup mieux. Mais si vous avez quoi, c'est vraiment pas grave, les gars. Il va faire quand même très très mal. On a aussi le Gamma 1, du coup, que j'ai 2 doublons. Le Gotenks Piccolo, que j'ai 1 doublon. Et le duo SCG, que j'ai 0 doublons. Le niveau doublon, c'est assez mitigé, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi ça, les gars. 6,7 millions. Ah là 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 là, 0 doublon, les gars. 0 doublon. Il est leader 200% dans la team, donc ne vous en faites pas. Regardez-moi ça. Attaque supplémentaire, bien sûr. Ça stack l'attaque, les gars. Ça stack la défense, plutôt. Ça stack la défense, les gars. Ça stack la défense. Alors, je vais grossir un peu l'écran. Voilà. Ok, là, on est bon. Donc on va tuer le sel sur cette phase, les gars. Voilà. Oh là là, c'est fort. Dis-nous qu'on aura la rotation des 8 ans, les gars. Rotation des 8 ans, est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que je fais directement la stand my skill? Ah, je pense qu'on va le faire, les gars. J'ai le seum un peu de le faire. Oh non, j'ai skippé. Oh, dommage. Bon, les gars, c'est pas grave. Parce qu'en soi, là, c'est juste pour se régénérer. Vraiment, c'est juste pour se régénérer, les gars. Alors, si je me souviens bien... ouais, je vais faire ça comme ça, les gars. On va mourir ici, les gars. Donc, en soi, pas trop grave. Ok. Normalement, prochaine rotation. Enfin, prochaine rotation. Ouais, en vrai, prochaine rotation devrait commencer à former un peu les vraies rotations. Enfin, on devrait avoir les rotations normales. Avec le... non, prochaine rotation, les gars. Pas cette rotation. Enfin, pas la prochaine. Encore deux autres rotations et on a tout. On a tout, les amis. Donc, ok, les dégâts. Franchement, en vrai, le jeu SCG fait le taf. Hein. Même 0 doublon, les gars, vous avez vu que ça fait le taf, les gars. Ok, le jeu GT. Oh, il est incroyable. 8 millions de valeur d'attaque, les gars. J'ai même pas. Peut-être l'attaque. Hein. En ça, les gars, j'ai rien stat du tout. Et regardez-moi les dégâts. Bon, la revive, voilà. Alors, c'est le game cinéma. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est. Voilà, mais les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok, alors les gars, pas mal en vrai, hein, pas mal, moi j'aime bien. Alors on va partir ici à Gamma 2, ici les gars, pour avoir les stats là qu'on va prendre. Regardez les gars, 304 def, les gars, c'est vraiment pas dégueu, honnêtement. On va partir en steer, on va faire une... Bon, je pense qu'on tue. Les gars, Gamma 2 avec des doublons, il est vraiment exceptionnel, les gars. Donc je pense qu'on tue ici, avec les nombreux speed qu'il va balancer, les amis. En plus, ça sacrite. Ah, on tue. On tue. Oh non, mais Gamma 2, c'est exceptionnel, les amis. Je pense que honnêtement, là, j'ai pris une redone assez. Elle est pas compliquée, hein. C'est juste que voilà, elle démarre crescendo, les gars. Plus ça va augmenter, bah, plus le personnage, enfin, le boss, il va faire mal. Donc en soi, les gars, là, c'est une petite redone tranquillement. Mais je pense que vous pouvez réussir la redone Broly. Il faudra juste changer le Goten. Le Goten, c'est le Piccolo. C'est juste eux, les gars. Vous pouvez mettre le duo SCG God. Ouais. On a les rota, c'est parti les amis, 404, là 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 là. Bon, c'est pas suffisant 404 def, mais on commence tranquillement, les gars. Ça fait plaisir, regardez-moi ça. Ah là là, c'est beau, les gars. Bon, là, on peut avancer avec tout le monde, les gars. Donc, alors, faut vraiment pas qu'il nous split au tout début, sinon on va prendre trop cher, les gars. Vraiment, on va prendre cher. Oh là là, on est mort. Les gars, pourquoi il nous split au début? Qu'est-ce qu'il a, celle? C'est trop, 304. Non, mais frérot, c'est trop 304. Mes frères, je suis censé voilà, prendre beaucoup de dégâts là. Je viens de faire ma revive et je prends mid-life, les gars. Bon, c'est le jeu, les gars, comme on dit. On est mid-life, les gars, là, ça va être chaud.
de se régénérer. Donc en soi, là, faut pas faire attention. Après, à partir du moment où tu mets la team en place, au niveau de rota, la team elle est clean, bah niveau dégâts, tu prends que deux, parce que forcément, tu as les rota, donc ça tank mieux, les personnages ils encaissent mieux. En soi, c'est plutôt pas mal. 10 millions. Oh là là, mais ce perso là, les gars, mais frère, arrêtez-le. Ça, c'est un 7 millions. Oh là là, c'est pas un plaisir. Oh là là, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, regardez-moi ça. Regardez-moi. Oh là là, non, mais je kiffe. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie, les gars. Le meilleur personnage du jeu, 50% de réduction, plus des valeurs d'attaque offensive. Incroyablement incroyable. Le duo SCG qui est 0 doublon, si on meurt, c'est à cause de lui, les gars. Essayez d'avoir un maximum de doublons sur le personnage, les amis. Alors, en soi, il est pas assez dégueu de ça, il possède quand même de bonnes mécaniques. Bon, en vrai, il peut. Non, si, prend une spécie, enfin, tiens, les gars. Voilà, heureusement qu'on a. On a pris que dalle. Alors, les gars, là, faut prendre d'items. Hein. Parce qu'on n'a pas eu les stacks de gamma 2 vite. Donc, soit là, faut prendre d'items, soit on essaye. On va essayer, les gars, de faire sans items. Mais je pense qu'on meurt. Hein. Si on se prend une CO2. Ah, si on se prend une CO2 au tout début, on meurt, les gars. Ah. Bah, malheureusement, on meurt, les gars. Aïe. Ah, on meurt pas. Les autos. Ah, les autos. Les gars, les autos. Ok, les gars, retour sel. Bon, en vrai de vrai, j'ai recommencé une run, les gars, et ça s'est extrêmement bien passé parce que dès le début, les gars, j'avais la rotation gamma 1, gamma 2, et ça c'est extrêmement fort, les gars. Après, bien sûr, on avait aussi la rotation des duos, des 8 ordres. Honnêtement, on est allé archi vite, les gars, 5 tours, on est déjà au sel. Bon, j'ai pris aucun item, il en reste, j'en ai qu'un seul, les gars. J'ai pas encore fait le vœu d'avoir le deuxième, donc. En soi, est-ce que je l'utilise, les gars? Est-ce que vous m'autorisez? Parce que là, le Gotenks Trunks, c'est. Enfin. Le Gotenks Piccolo, c'est une mauvaise surprise, les gars. Il est vraiment pas ouf du tout. Alors, si jamais vous avez le duo SCG God, je l'aime, moi, les gars. J'aurais pu le mettre. Ça fait un portail des. Il vient des portails des 8 ans. Mais je voulais mettre un petit. Voilà, je voulais pas mettre beaucoup de LR. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément tout drop, tout ça. Mais honnêtement, les gars, Gotenks Trunks. Enfin. Gotenks Piccolo, c'est pas ouf. Pas ouf, les gars. Donc, en soi, là, si on meurt, ce sera de sa faute, les gars. À vous de changer de votre côté. Et si jamais on gagne, bah les gars, let's go, hein. let's go. Mais je pense que là, on est mort. Hein. Je pense que là, on est mort, les gars. Ok, la suite sur gamma. Ah, ici, c'est pas forcément ultra cool, mais voilà. Oula. On a encore tous nos boosts, les gars. Bon, il y a 400 ici, là. Il y a 400 000, ça pique. Hein. Je pense qu'on meurt sur les autos. On meurt sur les autos, les gars. On va mourir sur les autos avec le Gotenks Trunks, les gars. C'est, enfin, les Gotenks. Le Gotenks. Oula. Dis-donc, on s'est pris un dispel d'attaque, les gars. On s'est pris un gros dispel d'attaque, les gars. À la phase précédente. Donc, en soi, là, les dégâts, c'est pas dégueu du tout. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, Gamma 2, les gars. Oh, mais frère, c'est tellement un DPS exceptionnel. Ça, les gars, il fait trop mal. Niveau offensif, les gars, il est incroyable. Il a quoi? Il a fait que 2? Oh non, il a fait que deux. Oh, j'ai le seum. Oh, Gotenks et Piccolo, ça va donner quoi défensivement, les gars? On va se réclater, hein, je pense. Hein. Ah, l'attaque supplémentaire qui fait plaisir. Mais est-ce que ça va suffire, les gars? Est-ce que ça va suffire? Je sais pas ce que ça donne, le personnage. Au niveau des dégâts. Enfin, des dégâts, c'est... Oh, mais en vrai, ça va, hein, niveau attaque sup, il en fait. Alors je sais pas s'il a de la défense, genre fortement, ou je sais vraiment pas, les gars, vraiment je connais pas le personnage. À vrai dire, je le joue que pour la vidéo. Oh, le skiff qui carry, les gars. Oh là 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 là. C'est quand même dangereux quand même, le fait qu'il prenne le fait qu'il prenne des trucs aussi chers, les gars, c'est dangereux. Ok, donc là, les gars, si jamais on meurt, on sait quoi faire, les gars. Le perso, il va balancer sur le gros Genki Dama. Bon, il va le balancer, les gars. Il va le balancer ici.
Oh là là, regardez, c'est une des meilleures rotations qu'on puisse faire, les gars. C'est une des meilleures rotations. Je pense qu'il meurt. Ah, mais en fait, l'aspect sur... Oh là là, mais il aime trop spé au tout début. Bah ouais, on meurt, il aime trop spé au tout début. Dis-donc les gars, dites-vous que il a même pas stack fortement les gars, enfin il a pas stack beaucoup les gars, on a fait quelques stuys et honnêtement c'est incroyable. Ok, donc là les gars, on va lui faire du mal. On va lui faire du mal. Bah, dites-vous que si on prend une Spierce au moins à 500k sur le duo SSJ, bah, dites-vous qu'on a le standby skill de Goku. Oh, on prend la Spierce sur Gamma. Oh, bah, c'est exceptionnel, les gars. Oh là là, le counter. Bah oui, counter contre les attaques de type strike, les attaques de type melee. Ça fait plaisir, les gars. On prend 0 dégâts là. C'est incroyable. On pouvait pas rêver mieux, les gars. La spé ici qui va faire un petit 3 millions les gars, ça peut faire 5. Oh là là, 6 millions. Il est incroyable, ça les gars, il est incroyable. Gamma 2, bon, vous connaissez le personnage. Si on a de la chance et qu'il attaque super à l'infini, bah on gagne la game. On peut one turn les gars. Imagine le one turn les gars. Oh là là. Non, on va one turn les gars, on va one turn, c'est sûr. Oh mais il est trop fort. Vous avez vu les gars, dropper gamma 2, dropper gamma 1, le duo il est extrêmement bon. Il est extrêmement bon les gars. Ça a pris 2 secondes. Ok, donc là c'est la dernière phase je crois les gars. Ah, j'avais envie de partir en Steam My Skill là. On peut mourir encore les gars, le duo SSJ en fait il a pas stacké la def les gars. Il a pas stacké la def. Wow, j'ai peur les gars de mourir ici. Alors je sais pas, on a fait combien de steam mais on n'a pas les 50% de réduction, je crois qu'on a 40 les gars. Voyons voir. Ouais, je pense qu'on avait tout les gars, la réduction. Mais en soi, là, c'est... On meurt. Hein. On va mourir les gars sur le duo SCJ. Bon, voilà, malheureusement, on pourra pas terminer la ring zone, les amis. Mais on allait quand même très très loin les gars. Bon, je l'ai faite là, moi, de mon côté. Arrête les gars. Mais pour vous dire les gars, j'ai dû changer un personnage et c'est juste le Gotenks Trunks. Ouais. Le Gotenks Trunks que je vais changer et c'est tout. Niveau des valeurs d'attaque, le duo SCJ en deuxième position, il est exceptionnel. Et en plus, défensivement, les gars, c'est le meilleur stacker du jeu. Donc, en soi, si vous avez des doublons, ça va faire mal. Ça va faire mal. Regardez-moi. Oh là 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 là, les gars. C'est magnifique. Le personnage est incroyable. Vraiment. Alors, est-ce qu'avec cette team, vous pouvez faire des Red Zone Broly? En soi, les gars, si vous enlevez le Gotex, vraiment le Gotex, les gars, j'insiste beaucoup. Hein. Mais si vous enlevez le Gotex et par exemple, vous mettez un Goku pour une Red Zone Broly, vous la passez easy. Hein. Alors là, je vois pas pourquoi vous la passerez pas, les gars. En soi, c'est plutôt pas mal ici. Alors, vu qu'on est en avantage type, j'espère que ça va tanker. Ça devrait tanker, les gars, normalement. Minimum de défense, quand même. En soi, j'ai peur de prendre une auto à poussière, en fait. Ok. C'est bon, arrête-toi. 45 000, les gars, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc, on est parti ici. On a le 2K de mode en plus. Ah les gars, est-ce que je redémarre mon jeu? Ouais, je vais redémarrer mon jeu les gars, je pense. Hein. Attendez, est-ce qu'on a le code mode là? Ouais, je vais redémarrer mon jeu les gars. Oh, ok, on est de retour les gars sur le jeu. Donc là, c'est parti, Dokkan mode, allez. On va tout casser les amis. On va faire la redone sans item. Sans item les gars, c'est assez incroyable. Donc allez, là le Dokkan mode, on va tuer les gars, hein, je crois. Là, c'est plus que sûr les gars, on tue. Il est mort les gars. Il est mort.
Il est mort. Gamma 2, Dokkanmon, avantage type. Gamma 2, 3 de blond. Il est mort. Voyons voir un peu les dégâts. Bon, en soi, je pense qu'il va se prendre 5 millions. Si ça crit, les gars, bon, ça peut partir plus loin, mais bon, voilà. 14 méchants, les gars. Non, mais je suis fou, les gars. Je suis fou, les gars, c'est une dinguerie. Donc, en soi, là, c'est... c'est la win pour nous. C'est la win, les gars. Voilà. On finit ça. Ah, quoi? Attends, mais là, il est timide. Bon, on va finir avec Gamma 1, mais waouh, Gamma 2, là, t'as été timide sur ce coup-là. Donc, franchement, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. C'était juste un petit test hein, de la team reroll, de la team débutant, ceux qui, voilà, ceux qui ont 1000 DS invoqués sur le portail, sur les deux portails qui ça drop très bien. Voilà, si vous avez, si vous savez pas quoi faire comme team, voilà, les gars, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se dit à la prochaine, les gars, pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Fino, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hey. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi.